Good morning, allez-y, Daniel le Suisse aujourd'hui, les Lonishmat, Machlouf, Micha ben Masoud, Nachman, Yosef ben Nachum, Avram, Chen, Urbain, Ben Fortuné, Mazaldo, Ben Yudit, Nissan, Ben Mafret. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Micha, contactez la 5 minutes éternelles. Et c'est avec une grande joie qu'on va terminer aujourd'hui, Bezrat Hashem, le 7e Perek de Maserhet Tamid, Perek Zain, Mishnah Dalet. Ashir, Shayu, Alevim, Omrim, Bamikdash. Bayom, Arishon, Ayu, Omrim, Lachem, Haaretz, Umnoa, Tevel, Veyosh, Eveva. בשני היו אומרים, גדול השם ומהולל מאוד, בעיר אלוקנו הר קודשו. בשישי היו אומרים, אלוקים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. ברביעי היו אומרים, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. בחמישי היו אומרים, ארנינו לאלוקים עוזנו, אריהו לאלוהי יעקב. בשישי היו אומרים, השם המלאך גאות לבש, לבש השם עוזית עזר, עתיקון תבל בלטימות. בשבת היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת, מנוחה לחיי העולמים. Un sujet bien connu, puisque chaque jour, on dit dans la tfila, le shir shel yom, quand on finit la tfila, le shmona esrei, on a les tachanunim, après les tachanunim, on fait ashrei ou baletzion, après on chante le shir shel yom, pour les ashkenazes, on fait d'abord aleinu l'shabeach, après on chante le shir shel yom, le chant du jour. D'où ça vient ce chant du jour? C'est le chant que chantaient les Lévi'im au Beth Amikdash chaque jour après avoir fait le Korban Atamid, Shal Shachar, comme on avait appris dans la Mishnah précédente. Les Ashkenazim, le Shabbat, ils rajoutent, ils disent toute cette Mishnah en l'état, quand ils font Kavé après la Tfila de Moussaf, ils la disent entièrement. Et concrètement, le principe, je vous explique, c'est très simple. Tous les jours, donc, on chantait au Beth Amikdash. À chaque fois qu'on faisait un korban, c'est normal, c'est pour égayer, pour rendre joyeux, faire la Avodat Hashem, Bessimcha. Chaque jour, chaque matin, on chantait un chant spécial en rapport avec le jour de la création du monde. Quand Hashem a créé le monde, retenez bien, quand Hashem a créé le monde, le premier jour, alors c'était assez compliqué. Qu'est-ce qu'Hashem a fait le premier jour? Est-ce qu'il a fait que la lumière et le rocher? Est-ce qu'il a tout créé? Il a tout fait sortir du néant en fait? Mais le monde, en tout cas, le monde, le premier jour, il était rempli. C'était le tout début de la création, c'était le monde, il était rempli des météhomes, du théhomme, comme la Torah le dit, il est donc rempli d'une eau boueuse, avec le trône céleste qui était au-dessus, et Hachem, il a juste, le premier jour, il a allumé la lumière, et séparé la lumière de l'obscurité. Deuxième jour, Hachem, il a séparé les eaux inférieures des eaux supérieures, pour créer au milieu le rakia, le ciel, entre les deux. On s'arrête là pour le moment et on commence à expliquer selon ça les deux premiers jours. Tout d'abord, premier jour, puisque c'était le début de la création du monde, alors on va reconnaître de manière générale que le monde entier appartient à Hachem. Et donc on disait Ashir Shayu Alevim Omrim Bamikdash. Le chant que les Lévim chantaient au Beth Amikdash, Beyom Marishon, le premier jour, Ayu Omrim, il disait Lachem Haaretz Umloa Tevel Veyosh Eveva. À Hachem appartient la terre, Umloa, Maché, à Malé Sheba. Tout ce qui appartient dedans, tout ce qui est dedans, Tevel, la terre, Veyosh Veva, et tous ses habitants. Tout appartient à Hachem, puisque Hachem a créé le monde. Bachéni, le deuxième jour, on avait dit que c'était quoi? Qu'Hachem, il a séparé les eaux supérieures des eaux inférieures, d'accord? Du coup, on chantait, Bachéni, le deuxième jour, on chantait, Ayu Omrim, il disait, Gadol Hachem ou Mehulal Me'od, Hachem, il est grand et il est loué, Hachem, Halel, Be'ir Elokeinu Har Kocho, dans la ville d'Hachem, la montagne de sa sainteté. C'est-à-dire, on reconnaît en fait qu'Hachem, il résidait à Yerushalayim. Le deuxième jour, quel rapport avec le fait qu'il a séparé les eaux supérieures des eaux inférieures? Alors, ils expliquent les Mefarshim, d'Israël notamment, mais encore d'autres, qu'étant donné que le deuxième jour, Hachem, il a séparé les eaux supérieures des eaux inférieures, on a pu croire que, ah, ça y est, il va y avoir sur terre un monde matériel, terrestre, Hachem il n'est plus dedans, Chas v'Shalom, il est reparti dans les cieux supérieurs. Du coup on chantait le deuxième jour, non, Hachem il a peut-être séparé, mais il réside encore sur terre, à Tzion, et la Shrina elle est encore dans ce monde inférieur aussi, et il dirige le monde. Bashlishi, maintenant le troisième jour, alors le troisième jour, on avait pour le moment, on avait dit qu'on a juste pour le moment, le ciel entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Maintenant, pour le moment, sur Terre, c'est encore une eau boueuse. Troisième jour, Hachem, il a fait deux choses. Il a séparé les eaux de la Terre, comme ça, il a fait sortir les continents, et après, il a fait des végétaux sur la Terre. Donc, du coup,
On chantait le Bachlichi le troisième jour à Yomrim, il disait Elohim nitzav ba'adat el, bekerev Elohim ishpot. Hachem réside au sein de sa nation, à Ada, la Ada, la Eda Kdosha. Donc Hachem réside au sein de sa nation, bekerev Elohim ishpot, au milieu des juges ishpot. Le mot Elohim, il désigne parfois les, parfois Hachem, bien sûr, Elohim, mais il peut aussi désigner parfois un ange, on va l'appeler aussi Elohim, des fois dans le Navi, et les juges sur terre aussi sont appelés dans la Torah Elohim. Il y a marqué Elohim Lotte Kalel, Ada Elohim, il y a Vodvar Shnem dans Parashat Mishpatim, plein de fois, il y a plein de psukim où tous les jugements ils se passaient devant Elohim, qui désigne en fait les juges. Le mot Elohim en soi-même, ça veut dire Eloah, c'est une force. Quelqu'un qui a une force, c'est un Eloah. Ben non, ça peut être quelqu'un qui a une force sur terre, comme les juges, ils ont un pouvoir, ça peut être un ange, ça peut même être, on va dire, dans ce cas-là, ça devient Hashem Kadosh, qui va dire Elohim. Comme le mot, bon, on ne va pas trop ranger sur le Shemot HaKodesh. Et on continue pour le moment. Ah, maintenant, quel rapport avec le troisième jour? On a dit que puisque Hashem, il a maintenant créé la terre, les continents, le troisième jour, donc on rappelle que le monde tient sur la justice. Un des piliers du monde, c'est la justice. De ce fait, alors, on dit que, on rappelle que juger les jugements avec justice, et Hachem réside parmi vous, comme ça, le monde, il est maintenu. Barvi, le quatrième jour, Hachem, il a fait maintenant, le quatrième jour, il a fait les astres. Le ciel, la lune, et toutes les étoiles. Malheureusement, il y en a qui ont pris ces astres en tant que divinité. Donc du coup, on demande à Hachem de venger son honneur, et de sévir contre ceux qui vont servir ces astres. Et donc on chantait quoi? Ben, le quatrième jour, on chantait à Yomrim, il disait les Lévim, El Nekamot Hachem, El Nekamot Ophia. Le Dieu de vengeance est Hachem, Dieu de vengeance apparaît. On appelle Hachem en fait à dévoiler sa lumière sur terre pour prendre revanche contre ceux qui ont osé le blasphémer contre lui. Bachamichi, le cinquième jour. Alors le cinquième jour maintenant, c'est le début de la vie. Ça se passe en deux temps dans la création du monde. Maintenant, on récapitule. Premier jour, le monde rempli de boue pour le moment, l'univers rempli de du théome. Varet saïtatou vavo, vechosher alpene théome, on a dit pour le premier jour. Après Hachem, il a fait Yirakia betochamaim. Troisième jour, il a séparé les continents de la mer, et il a fait aussi les végétaux sur le continent. Quatrième jour, il a fait les astres. Maintenant, le cinquième jour, on commence la vie avec, dans un premier temps, la vie pour les poissons et pour les oiseaux. D'accord? Ishasu amaim sheretz nefesh raya, veof, yeofef, je ne sais plus comment c'est dit, veof yiref baaretz. Là-bas, on a fait les poissons et les végétaux, mais c'est le début de la vie. Du coup, c'est le début de la vie. Chaque être vivant, il a son message, il a son chant. Donc du coup, on chante quoi le cinquième jour? Bachamichi, le cinquième jour, à Yomrim, il disait « Arninu l'Elohim uzenu, ariu l'Elohim Yaakov » Chantez en l'honneur d'Hachem, notre force. « Ariu » ça veut dire « Ariu » ça veut dire « Hachem Troua » Sonnez du chauffard en son honneur, « l'Elohim Yaakov » pour Hachem, le Dieu de Yaakov. En fait, on appelle toute la Bria, tous les êtres vivants, à louer et à glorifier Hachem. « Bachichi » le sixième jour, donc Hachem, il a fait quoi d'abord dans la Briyat HaOlam? Le sixième jour, Hachem, il a fini tous les animaux, et après, il a créé l'homme. Le monde, il est parfait, Hachem peut régner sur terre. On peut maintenant commencer à travailler dans ce monde pour qu'Hachem va finir par dévoiler sa majesté sur terre. Donc du coup, on chantait quoi? Ayu Omrim, Bachishi Ayu Omrim, le sixième jour, il disait, Hachem Malach Geout Lavesh, Hachem est venu régner Geout Lavesh, il s'est vêti, ou plutôt en tant qu'impératif, habille-toi de tes habits de gloire. Ou au passé, je ne sais pas exactement comment ça s'interprète. En tout cas, Hachem Malach Gout Lavesh, Lavesh Hachem Ozitazar, ça veut dire, on déclare qu'Hachem, il s'est vêti de ses habits de gloire. Ok? C'est le dévoilement. Parce que le monde, il a été fini, en fait, concrètement, le sixième jour. Parce que le septième jour, il reste que la Menoucha.
Et Béchabat, et le septième jour, le jour du Shabbat, a eu Omri, Mizmor Shirayama Shabbat. Pour le septième jour, on chantait le Mizmor Shirayama Shabbat, comme on le dit au Lodot Lachem, au Lodot Lachem, Lachem Chayalion. Et la Mishnah continue en disant Mizmor Shir Latilavo, le chant du Shabbat, du monde futur, les Yom Shekulo Shabbat, le jour qui sera entièrement Shabbat, Menucha Lechayeya Olamim, Menucha Lechayeya Olamim, il y a deux Nosraot. Le jour du repos pour l'éternité. Au Beth Amikdash, on ne chantait pas, on ne rejetait pas cette phrase. Le but de cette phrase, c'est de m'expliquer quel rapport entre ce chant et le jour du Shabbat. Parce que figurez-vous que apparemment, dans ce chant, on commence avec Mizmor Shir Yom HaShabbat, mais après, on ne parle plus du tout du Shabbat. On parle de quoi dans ce chant? On parle que le monde semble livré comme ça à lui-même, où les Rishaïm font ce qu'ils veulent, mais en fait, on dit qu'Hachem, il va y avoir un jour, en fait, au contraire, les Rishaïm vont faire sortir tout leur. Tout, ils vont recevoir tout leur. Ils vont finir leur mal, ils vont recevoir leur châtiment, et puis ensuite, et Hachem, il va prendre ses protégés et les faire grandir. Et justement, la Mishnah est venue m'expliquer, sache que c'est exactement ça le principe du Shabbat. Quand je te parle du Shabbat, c'est pas juste de reposer et manger ta dafina, c'est un peu plus profond. C'est un jour en préparation au monde futur, où Hachem. Il dévoilera la Menucha éternelle, où justement les bons seront gratifiés, les mauvais seront châtiés, et donc c'est ça le rapport qu'il y a entre le Mizmor Shir et le Yom Shabbat. C'est pour ça que la Mishnah a besoin de m'expliquer que quand je te parle du Yom HaShabbat, c'est le. Mais Ein Olam Haba, ce Shabbat-là, le Shabbat qu'on vit à notre époque, au vu qu'on aujourd'hui, c'est un semblant de ce qu'il y aura ensuite, c'est une préparation à ce qu'il y aura ensuite. Et avec ça, on n'a pas encore fini ma Sarat Amid, je voulais vous rajouter quand même un petit truc dans le Tiferet Israël qui nous rapporte encore. Bon, on a expliqué le chant qu'on chantait pour le Korban Tamid du matin. Bon, il nous manque encore, le Tiferet Israël rapporte. Kamousaf de Shabbat. Alors, on chantait le, au Moussaf du Shabbat, il y avait un autre chant. On chantait la paracha de Haazinu, qu'on séparait en 6 morceaux. Et chaque Shabbat, à tour de rôle, on rajoutait encore un petit bout et un petit bout, un petit bout. Et après, donc. Au bout de 6 semaines, on finissait un cycle et on recommençait de nouveau. Ça, c'est pour le Korban Moussaf du Shabbat. Pour le Tamid de l'après-midi du Shabbat, il nous dit le Tiferet d'Israël, je ne sais pas d'où c'est quoi ses sources, mais il nous dit que on prenait cette fois-ci la Shira Tayam, la Shira de Asya Shemoshon Israël, la Shira Zot, la Shira Lachem Kigaoga, on l'a coupé en deux. Premier Shabbat, on lisait la moitié. Deuxième Shabbat, on lisait l'autre moitié. Et puis Michamocha et la suite. Et troisième Shabbat, on chantait la Shira Taber, dans Parashat Rukat. Quand il y a eu le miracle avec le puits de Myriam, quand Myriam est décédée, après il y a le puits qui est revenu. Peu importe, il y a eu un miracle qui s'est produit avec le puits. Ils ont chanté, là-bas, les ministres ont dit une Shira, donc ils chantaient ce troisième Shabbat-là. Et à présent, on a fini Maseret Tamid, Mazal Tov, Adran Alach Maseret Tamid, Adran Alach Maseret Tamid, Adran Alach Maseret Tamid, Belineder. On débute tout de suite Maseret Midot, les premiers mots, Bishlosha, Mekomot, Akohanim, Shomrim, Bevet, Amikdash. Dans trois endroits, les Kohanim. Surveiller, monter la garde au Beth Amikdash. Beth Avtinas, dans une lishka qui s'appelait Beth Avtinas, un endroit qui s'appelait, une petite cabine qui s'appelait Beth Avtinas, une autre qui s'appelait le Beth Anitzos, et l'autre qui s'appelait le Beth Amoked. Vous pouvez constater que c'est exactement les mêmes mots avec lesquels on démarrait Maserhet Tamid. Parce qu'en fait, il y a un grand rapport entre les deux. C'est que dans un, on parle du Korban, Tamid du matin, donc on a besoin de connaître un petit peu les lieux, mais tandis que dans Maseret Midot, on va se concentrer essentiellement à définir tous les plans exacts du Beit HaMikdash, les tailles de chaque chose, les quantités de chaque chose, et on étudiera ça, Bezrat Hashem, dès demain, c'est avec une très très grande joie que Bezrat Hashem, on sent l'approche de la fin du Maseret du traité de Kochim, dans Midot, après il nous restera Maseret Kinim, une Maseret bien corsée. J'espère que moi-même, j'ai réussi à bien la préparer pour bien vous la présenter. Et ensuite, Bezrat Hashem, on continuera sur le traité, Bezrat Hashem, tout le CDR de Moed, B'siata Dishmaya. Sur ça, c'est mon reste du verre de rhum, parce qu'en fait, c'est pas que j'ai bu avant le cours, c'est que j'ai fait un premier cours qui a été mal enregistré. Donc du coup, j'ai déjà fait chez Akol, donc je vous souhaite Mazal Tov, Mazal Tov, Shiniske, Bezrat Hashem, Nesayem et Kol, Hashas Kulo, et l'Arzor, et l'Ilmod, et l'Amed, Nishmo, et l'Asotu Kayem, et Kol Divre, à Torah, Bezrat Hashem, Kol Tov, c'est là.